It's a lonely starting morning That's what I do I like starting the morning With my blues. Hey, yeah. pour un blues. Thank you Il y a du monde, là, finalement. Hey, liste c'est dans la maison. Super cool. Qui autre qu'elle est qu Bah, ben, il y a du monde. Parfait. Arrêtez de chanter. Arrêtez de chanter. Ça me donnait une excuse de faire croire que je voyais personne. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check. La pentagone Les ovnis. Les extraterrestres existent. Ça a été prouvé. La pentagone reste des menteurs. Fiez-vous pas sur eux autres. Là, ils recherchent des fonds, des lever le fonds pour être capable de. De quoi C'est quoi tu... tu penses que le Pentagone veulent faire avec leurs fonds Mais ben, ils disent qu'ils n'ont plus de missiles, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'ils font avec des missiles, eux autres Tu penses <laughs> Ça ne va pas bien, l'affaire. Il y a quelqu'un qui a donné de l'information sur euh, des extraterrestres à Arrow. A-A-R-O, hein, les trucs de cul qui gèrent tout, les, les, qui gardent le secret sur les ovnis. Et c'était supposé de sortir. Mais cette personne-là n'avait pas le droit de parler de tout ça parce que, bien sûr, il a signé un contrat pour se former la boîte, pour ne pas parler. Mais le problème, c'est que Sean, c'est Sean Sean, Sheen, Sheen, si je ne me trompe pas, Sean. Puis lui, il a parlé à Sean Kirkpatrick. C'est le monsieur-là, Sean Kirkpatrick, en charge euh, euh, au Pentagone, excuse-moi, parce que les autres sont en train de cacher la vérité. Mais la preuve, là, lui, il y a toute cette preuve-là, puis là, il décide qu'il va parler vu que le gouvernement ne veut pas le montrer. Fait que ça va être un, un jeu entre les personnes. Aussi à l'intérieur de la Pentagone. Ben J'espère que vraiment vous êtes au courant qu'à l'intérieur de la Pentagone, ils ne peuvent pas tous être malins malin, ou malines. C'est ceux qui en a à l'intérieur qui sont assez haut placés. C'est ça qui est le problème. Là. Parce qu'habituellement, les, les dénonciateurs, ce n'est pas du monde qui sont haut placés dans le militaire. Mais là, aux États-Unis, la gang, c'est du monde très haut placé dans le militaire. David Grush, on, a, on attend encore après. Qu'est-ce que lui a dit, mais oubliez pas qu'est-ce que David Grush a dit, donc qui est en charge du Unidentified Aerial Task Force. Ok, aussitôt que lui a eu comme des, je sais pas, des centaines de, de, de plaidoyers, des personnes qui euh, venaient le voir avec des preuves extraterrestres, lui non plus ne peut pas parler directement de ça. Fait que ça vient à la conclusion que le Congrès aux États-Unis vont être obligés de parler bientôt. Puis il y en a entre vous ici ou en France ou ailleurs dans d'autres pays. Vous allez dire que ça ne vous affecte pas, ça nous affecte. Tout parce que l'histoire d'OVNI passe centralement aux États-Unis. C'est là que ça se passe. Là. Peu importe ce qui va arriver en France. Le problème, c'est qu'est-ce qui arrive aux États-Unis. Là. Puis là, en réalité, il y a des cachetteries au Canada euh, en rapport avec des OVNI que les États-Unis euh, gèrent euh, des projets puis plein de choses ici. Ça, de plus en plus que... le pas les médias, parce les autres sont payés pour, pour se, se la fermer, là. mais de plus en plus près du secret que le monde va être, de plus en plus tu vas avoir une suppression de, de peut-être même l'Internet. À un moment donné, là, quand ça sort, un secret un peu trop, là, à un moment donné, on va voir l'Internet, pouf, on ne sait jamais. LA est here, thank you. Hey, salut tout le monde, Janine. Salut Moonman! Ben, salut à toi, Janine, comment ça va? Fagri, Caroline Lebine, blond. Ok, oui. Tiblon, merci, Stéphane. Bonjour la gang, Motley MS Sport, Laurent, Carl, thanks bro. La gang, il y a tellement de choses qui arrivent dans les nouvelles là. Les Patagoniens ont dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Les Patagoniens ont dit que dans les années 50 et 60, il n'y avait absolument rien, incluant Roswell, qui avait un rapport avec des extraterrestres, que c'était le militaire qui était en train de faire des tests. Fait les autres, les écœurants, ils ont attendu 40-50 ans, même quasiment 60 ans, pour être capable de se surveiller de bord et de dire Bien, écoute, euh, ils sont tous morts, hein? Et ceux qui sont sur ces projets-là, ça fait longtemps là, que ce monde-là sont tout partis. Fait que là, tranquillement, pas vite, ils vont sortir des choses. Puis il y a toujours cette euh, chose en, en, arrière, en arrière qui disent que ça a un rapport avec la sécurité nationale. Si je vous dis que c'est la sécurité nationale qui sont en train de cacher tout ça, <laughs> c'est sûr et certain. Pourquoi? Il faut être au courant de qu ce qui est en train d'arriver. Ils se promènent ici sur Terre, les humains. Avec une technologie exotique, alien, extraterrestre, confirmée. Ce n'est pas parce que la Pentagone ne veut pas le euh, confirmer que ce n'est pas réel. C'est des menteurs. Là. Mais pas tout le monde. Il ne faut vraiment pas viser tout le monde, honnêtement. Si on dit, ah, le gouvernement, c'est des trous de cul. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le gouvernement. Mais en réalité, oui. La tu sais, Pentagone, c'est des menteurs, mais ce n'est pas tout le monde là, qui sont en train de mentir. On espère. Euh, les projets donc, on parle présentement, qu'on attend. Euh, référence, les Retrieval Program. Vous savez, j'espère que vous êtes au courant, là. il y a des programmes où ce que le Navy aussi, des, des personnes euh, comme des Navy SEAL, là, des seuls qui vont euh, plonger euh, pour faire des projets comme par exemple pour faire euh, détruire des, des champs d'huile, de, puis tout souterrain, comme qu'on a vu euh, dans l'océan, eux autres vont chercher pas juste des vaisseaux spatials, mais des objets exotiques, qui ramènent ça, puis où qu'ils les vendent, il y a comme un... un comment est-ce qu'on appelle? C'est très populaire, très commun, qu'il y a beaucoup de technologies extraterrestres ici qui se promènent entre les pays, puis tout ça, puis le, le monde, le public, ne sont pas au courant de tout ça. Mais là, ça nous affecte beaucoup. Les extraterrestres ne veulent pas qu'il y ait une guerre nucléaire, puis même si on ne le sait pas, je pense qu'en théorie certains d'entre vous vous, vous, vous allez être d'accord avec moi que les extraterrestres sont déjà ici, sont déjà sur la planète, même probablement beaucoup de différentes euh, espèces qui sont ici. Là. Puis, ce n'est pas, pas d'hier non plus. Leslis, comment ça va? Nathalie, l'Italien, bonjour à toi. J'ai parlé euh, de toi à un, un ami qui va s'abonner à toi. Je t'aime fort, Nathalie, merci beaucoup. Thank you very much. Elle était fascinée par euh, ce que je lui disais. De ton travail. Oui, puis euh, merci, Nathalie. Bouche à oreille. Hein? Puis en réalité, quand tu lui as dit, par exemple, je ne sais pas, ils prennent des avenirs sur la lune, puis les structures, puis le, le monde doit vous dire, ben ouais, mais c'est super correct parce que le monde va venir euh, voir en même temps euh, mes recherches pour eux-mêmes. Salut, Rick. Rick Dubé, dans la maison. Merci d'être ici, la gang. Les pouces, les amis, à Manix. Sébastien Rimbaud, comment est-ce qu'il va, mon frère? La famille des étoiles, c'est le cas dire. Toujours les mêmes magnifiques personnes qui reviennent à la chaîne, Laura Callier. Thanks, bro. Ah, ben là, oh, oh, la gang, on a changé l'heure ici. Je m'excuse, comme à chaque année c'est un maudit problème là que le monde va venir pour dire comment ça que Bruce a changé d'heure j'ai pas changé, ben oui on a changé d'heure mais c'est pas moi qui ai changé l'heure du stream présentement ici il est exactement 13h euh, 13h PM euh, il devrait être euh, midi et, et 8 là, hein, et non euh, 13h et 8 à cause qu'on a changé l'heure, on a reculé l'heure mais c'est comme ça, reculé avancé c'est Eric Eric, thank you so much. Tabarouad, my bro, merci, la Yang. Merci, merci. So, Roswell était. Uh, merci d'être ici. À une minute, là. Thank you very much, bro. So dit, uh, oui, je trouve. Uh, épatante ton style. So, merci d'être ici. On a Elvick dans la maison. Merci, mon frère. Bien le bonjour à tous. Est-ce que ça va, Elvick? J'espère que la température n'est pas trop méchante avec toi. On est toutes des. Euh, sous des, des toits gris. Hein? Euh, Darla, tu as, as vu la température? Euh, la lune, ça devient quelque chose quasiment rare maintenant d'être capable de, de voir. Ça fait un peu peur. J'étais longtemps sans voir la lune. Non? Quand je la vois, j'ai pas la chance de la filmer parce que c'est comme une petite lune, là, tu sais. C'est encore Rick. Un tipi. Un Teepee, ou, ou un Teepee, tu veux dire, carrément comme un, un tipi. Sylvain, comment est-ce qu'il va? Christiane, thanks, guys. Merci de revenir. Il a déçu, hein? Pas déçu, je, je suis content, parce que ça fait depuis quelques années, Christiane euh, que et Darla et tout le monde entre vous. Star Hunter, thank you very much, kind sir, for being here. Thanks, man. I appreciate that. Merci pour euh, votre support, les amis. Patricia, comment est-ce que ça va? Merci d'être ici. Right Jean-Philippe, comment est-ce qu'il va, mon frère? Merci, Philippe. Euh, Jean-Philippe, toi avec depuis des années, la, la gang. Mix Radio, bonjour à tous. Ben, bonjour à toi. Ben, merci, euh, Mix Radio, d'être ici. Et à chaque personne, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, c'est dur à croire que mes recherches montrent des choses sur la lune que le gouvernement n'a jamais montré puis qu'il n'y a pas d'autres vidéos sur YouTube fait que si vous avez des questions honnêtement j'essaie de partager puis comme Nathalie et hein, bonjour Adrienne Nathalie comme qu'elle a fait par bouche à oreille hein, parler de la chaîne c'est là que les recherches vont se propager plus avec la loi C63 hein, Eric puis tout le monde les maudits lois ici au Québec là qui ont, qui ont fait et qui continuent à faire, c'est vraiment pour nous empêcher d'être capables de, de se rendre. Tiens. What is there? A TP somewhere? Does it look like there's a TP in the screen somewhere? I'm fascinated. Mais comment ça va, Nuno nous, Nat? Nous, Merci la gang. David White in the house. Thank you very much, Mr. David White. C'est vrai. Joyeuse est-ce qu'on dit ça dans l'enfant Saint-Patrick? La Saint-Patrick, Saint ça se dit dessus? Je suis sûr que des Québécois font ça. Absolument, David White, I love you guys, my Irish friends, happy, very happy Saint-Patrick. Keep the traditions flowing. Continuons les traditions dans toutes les différentes cultures en se rassemblant ensemble, même si on a une indifférence des fois. Ah, ah, ah! J'ai ri comme un rabot, là. C'est pas ça que je voulais faire. Je pas me pouvoir envoyer de l'argent. Euh, il y a ça en France. Euh, ben, j'ai mon levé de fond. Euh, à part de ça, c'est juste que j'ai sur MyEvent. Mais, euh, hey, merci de, de partager ça. Moi, une un affaire qui est sûre ici, So, j'apprends des termes toujours avec mon franc anglais. J'apprends toujours de mes amis. Français, bouge pas la gang. J'ai juste porté la guitare ça. Imagine, imaginez la gang le nombre euh, d'ovnis en France. Qui est en train de se faire documenter présentement. Euh, la Belgique, n'importe où, tous les pays, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, imagine le nombre d'ovnis et d'événements inconnus qui est en train d'arriver à l'entour de la Terre. On n'aura jamais vraiment le, le numéro exact, fait que c'est dur à être capable de savoir exactement euh, la vraie quantité euh, d'ovnis qui se promènent à l'entour, mais que voulez-vous? Il y en a beaucoup. Moi, la gang, j'ai travaillé fort, ce mois ici. Même, euh, regarde là, excuse, là, ça fait deux jours, hein, c'est comme relaxé, j'avais des choses à faire à l'entour de la maison aussi. Mais honnêtement, je prends que 24 heures des fois pour ne pas faire une vidéo, puis des fois, là, ça, me, ça me fait de la peine. C'est pas long que euh, tu fais une vidéo, puis une couple de journées après, comme tous les ovnis. Euh, que j'ai filmé là, en un soir, se lever, là, puis ça donne juste une couple de centaines de, de vues. Mais ici sur la chaîne, la gang, là, merci, là, vous avez poussé ça pas mal fort, là, je vais vous dire, parce qu'on a eu plus de vues sur un vidéo de ici euh, l'autre soir, euh, peut-être la semaine passée, au début de la semaine, euh, à comparer de qu ce que j'ai eu sur Burr César. Il y a vraiment une suppression de l'information. Euh, qui est en train de se faire faire, puis pas juste sur le sujet des ovnis. Hein. Il y a plein de choses qu'on dirait qu'on on a de la misère à, à être capable de trouver. Je ne sais pas si vous remarquez, là. moi, c'est incroyable. Google, c'est malade. Là. On ne voit plus rien. Je vois sur mon YouTube maintenant, là, je fais des recherches je ne vois plus aucunement vos chaînes ou les chaînes que je suivais avant ou que je regardais. C'est comme un peu bizarre. ben c'est pas bizarre. C'est exact. Ça se voit bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Tu es en contrôle de tout ce que tu fais, LA. You are in control of absolutely everything you do and I would tell you all you have to do is think of it. Practice makes perfect sister. C'est pas grave, tu continues à pratiquer. Tu apprends un jour, deux jours, euh, un mot, deux mots par soir. One word, two words uh, a night, a week. Hey Darla Marie-Donne, comment ça va? J'espère que tu vas bien toi aussi. Allô, Claude? Hey, ben merci pour les cœurs. Je t'aime fort, Claude. Merci beaucoup. Et Bruce on, un gros cœur. Ben, merci. J'ai le plus gros cœur. <laughs> merci les petits, Claude. Merci pour les commentaires. Puis écoute, euh, merci, euh, les soins entre vous, que vous avez pris le temps de, de regarder la chaîne, la chaîne de musique, mais ça, c'est. Nécessaire, hein? C'est comme un, un hobby, puis c'est à l'extérieur de, des recherches. Là. Mais j'espère que vous êtes prêtes la gang, parce que l'été s'en vient. Et la seule chose qui cesse ici sur la chaîne, des fois, c'est les captures d'ovnis. On peut être longtemps sans, sans voir le ciel. Puis là, encore une fois, je commence à m'ennuyer de, de vouloir replonger dans mes euh, recherches, mes, les études sur ce que j'ai capté sur la Lune. C'est tellement triste, la gang. Ah, là, une couple de mois, je vous ai montré le, le, les systèmes, les lignes qui se promènent à l'entour du cratère Tycho. C'est dans le bas de la Lune, les amis. C'est infesté avec de la construction. Ça me fait peur que la Patagon ne soit pas en train d'en parler. Puis là, à l'entour du monde entier, la gang, là, tout, euh, même les compagnies d'espace privées, il n'y a pas personne qui parle de qu ce qu'il y a sur la Lune et de toutes ces connexions-là. Ça n'a pas le choix qu'ils sont. Euh, Peut-être qu'ils ont été payés pour se former la, la boîte ou tout simplement, la plupart des personnes, j'en suis sûr que c'est tout le monde là, qui travaille à côté science ou bien gouvernemental, ils n'ont pas, pas le droit de parler ou de montrer euh, rien qui a été filmé pendant leur travail. Là. Ça, c'est sûr et certain. Les, comparti euh, les compartiments qu'ils font, euh, le CIA, la Pentagone font ça. Un, un projet secret puis il y a plein de différents compartiments, puis de différentes branches, puis des levées de fond qui viennent d'un peu partout. Tu ne peux jamais vraiment localiser exactement c'est qui le coupable, parce qu'ils ont des organisations frontales, je ne sais pas si ça se dit, autrement dit, euh, des fronts, comme le Mafia fond, puis sidelines qui font de, de, des, des machines pour nettoyer le linge, là, avec une machine là, à mettre du change d'Adam. De Arrêté, arrêter, c'est une front de coke, là. tu comprends, là. Le gouvernement font ça autant. Ils parlent tout de, de la mafia, mais c'est la mafia, le gouvernement. C'est incroyable. Oui, puis tu vois que la suppression, ça s'est faite partout en même temps, exactement, quasiment jour pour jour. Euh, puis là, le, le, regarde la joke là avec Macron. Apparemment, Macron euh, des bombes d'hydrogène puis tout sur des jets euh, qui ont été envoyés, puis ça fait quasiment une semaine tout ça, la gang, hein, qui ont été envoyés sur le front euh, de la Russie, qui veulent euh, envahir la, la Russie. Tu vois pas ça dans les nouvelles. Moi, je vois ça parce que je suis euh, des chaînes comme Alex Jones, etc. Mais pas de ça, tu ne vois pas ça du tout. Bon, elle est dans le gré. Les criquets, c'est correct, mais mangez-en pas. Tu veux m'adapter au moyen de virement de... On va gagner, mon ami. Trust me, on va tout gagner. Puis ça va tout se faire en même temps. Arrêtez, il y a plein de tout est en train de se faire démantibuler les élites là. Puis le, le, le deep state, peu importe comment tu veux les appeler là, les, 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 les ceux qui gèrent la terre là. Les autres sont finis là. Ils n'auront plus de chance de, de faire quoi que ce soit. Mais c'est que là ils ont eu le contrôle sur la, la médecine, là, sur la science, euh, sur euh, euh, le militaire et tout ça, c'est corrompu, le hein? Pentagone aux États-Unis là c'est waouh wow, ça va pas bien, mais ça, ça, ça s'améliore. Ah ça me dit, ça me dit rien à Mix Radio. Frédéric comment ça va depuis la France pourri, Une valeur. Hein? on a toute honte de no notre pays honnêtement là on fait dur on fait tout dur là c'est triste. Euh, merci pour tes super vidéos euh, de venir à et C'est moi qui te remercie, euh, Frédéric 34, puis bienvenue à la chaîne. Frédéric Santorelli dans la maison. Bruce, euh, c'est quoi le truc euh, du Pentagone avec le Gremlin? Ah, ben, ben, bien, merci, Nononat. C'est exactement de ça que je veux parler. Euh, J'ai pas bien compris en anglais, namaste hey, Exactement ça. C'est ça qui est le problème. Les nouvelles qui accèsent aux États-Unis. Vous êtes en France, puis dans tous les endroits que vous avez. Vous êtes français, vous parlez français, la langue française. Vous allez avoir des nouvelles. Vous ne savez pas si les nouvelles sont exactes. Peut-être les, les nouvelles ont été changées. Et oui, les gremlins. Avant même qu'ils mentionnent les gremlins, l'avant-dernier rapport devenu, ils ont mentionné que Le CIA, Pentagon, la défense aux États-Unis sont capables de tirer les ovnis, les failles de Sound et de les voir avec des sensors qui ont de placer à l'entour du monde entier. Puis là, apparemment, le projet, c'est pas nécessairement le projet Gremlin, mais c'est les Gremlins qui appellent. C'est quoi un Gremlin C'est rien, c'est un nom inventé. Gremlin, ça signifie d'autres choses. Là, comme le film Les Gremlins, les petites bébites. Là. Gremlin, déployables. Les autres, la défense aux États-Unis, sont capables, quand arrive un événement euh, à dernière minute, par exemple dans ma ville, qu'arrive quelque chose, sont capables de déployer des sensors. Ils n'ont pas dit c'était quoi les sensors, si c'est euh, des objets, si c'est euh, des objets ou non. Mais... Elles s'appellent les Gremlins puis sont capables de détecter euh, et de, de tracer quelque chose, puis peut-être même, euh, non, pas peut-être, les autres ils disent même capables de les faire descendre. Ils sont en train de, de les capter là. C'est ce que David Grush y mentionne, il y a, y, a, y a un projet présentement secret sur. Euh, aux États-Unis en processus présentement, là, right now, qui est en train de prendre des vaisseaux extraterrestres et des objets exotiques qui sont en train de euh, back-engineering, les, les euh, rétro-ingénieries été le trouver ça, euh, loin avec mon excuse mon franglais. Prendre un objet, rétro-ingénierie. Ils vont prendre un objet pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. En le démantibulant, en, en le démontant, en regardant chaque morceau, euh, comment est-ce que ça fonctionne. Les États-Unis, eux autres, la gang, ils font ça pas d'hier Ils font ça depuis vraiment longtemps. la Fin 1800, début 1900. Hein? Fait longtemps qu'il y a des projets secrets se euh, fait. Et même on peut reculer dans le temps des Égyptiens et tout ça. Viens pas me dire qu'il euh, qu n'y avait pas d'OVNI dans ce temps-là. Euh, apparemment, il y en avait plus dans le ciel dans ce temps-là. Les OVNI a des milliers d'années. On ne sait même pas si ça fait mille ans qu'on est ici, ici sur Terre, là. honnêtement. là. Et tu es en contrôle de ce que tu dis, et oui, et je suis en contrôle de ce que j'en je, pense. Exactement, parce que c'est ça qu'ils essaient de faire, leur merde de diversion qu'ils disent, puis c'était tout, c'était tout un front, ça aussi, C'était toute une manière. Là, la guerre entre les Noirs et les, euh, les Blancs, le, le, le laisser entrer les musulmans dans des pays qui ne sont pas en, en, en accord du tout avec nous autres. Là. Mais même moi au début, puis même encore, j'ai de la misère à en parler parce que c'est comme tabou, tu es un raciste, femme ta gueule, tu parles musulman, musulmans, je me désabonne. Le monde a peur de parler. Moi, je n'ai pas peur de parler, mais j'ai une manière de parler. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour tout le monde, même les musulmans. Mais euh, euh, j'en sais beaucoup sur euh, euh, le Coran et tous ces livres-là, pas parce que je voulais le lire, parce que je voulais savoir si. Euh, être partie de la religion, parce que n'importe qui peut prendre un livre puis de trouver un point dans un livre immédiat qui confirme que c'est pas écrit par un dieu ou quoi que ce soit. Tu sais. Comme il y en a qui m'avait dit souvent, puis je parlerai pas de religion, mais il faut que je mentionne celle-là juste pour montrer comment est-ce que c'est salé quand je parle de religion. Je me tape sur les doigts à chaque fois que, que j'en parle, parce qu'à un moment donné, un musulman m'avait demandé, il dit, euh, euh, tu l'as pas lu le, 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 le Coran? Pas toutes, mais j'ai lu où ce qu'il fallait que, que je lise. Je vais vous dire euh, Sura, S-U-R-O-H, 929. Si tu vas dans le courant et tu lis le Sura, 929, ça dit que, carrément, là, tu les blancs, tu, euh, tu tous ceux qui ne sont pas euh, musulmans, infiltrent leur pays. Ça, c'est écrit dans, dans le Coran. Puis quand j'ai mentionné ça, ben là, c'est « ça cramait, ben ça va pas bien. » Oui, mais je ne me stigne pas avec ces choses-là. Je ne me stigne pas avec ces choses-là. Ça ne change rien. On est pris ici, sur Terre. Il faut qu'on qu s'entende. Peu importe c quelle religion qui est, qui est là. Puis je ne trash pas aucune religion. Là. Les gremlins peuvent carrément, non, non, non capter les ovnis et les voir et les filmer. Fait que c'est pour ça que dans un des dernières vidéos, les gremlins, bien, tous les ovnis que je suis en train de voir, par exemple, on parle pas théorie, là. Imagine si les ovnis que je suis en train de filmer, c'est les censeurs qui parlent, donc. Mais c'est quoi un sensor? Tu vas dire, c'est quelque chose qui est capable de documenter, euh, prendre un data comme température ou filmer, peu importe, C'est quelque chose déployé. En plus. Fait qu'on ne sait pas c'est quoi. Est-ce qu'ils est qu sont déployés par les OVNIs? Est-ce qu'ils sont déployés par euh, des OVNIs gouvernementaux? Ou bien sont déployés par euh, des hélicoptères ou des jets militaires? Oh, écoute, euh, des fusées qui envoient dans l'espace, ils peuvent mettre plein de choses, la DAP les, les envoyer. Le Japon a envoyé, il y a une coupe de jours, mardi, je ne me trompe pas, une fusée dans les airs, un anomalie qui l'a tiré, euh, deux, euh, un, je pense. Euh, oui, c'est vrai, Japon, un explosion. SpaceX, pour la troisième fois, ont envoyé leur Starlink dans les airs, et réussi à rendre, à rendre dans l'espace selon ce qu'ils ont dit. Ils nous ont pu montrer, je ne sais pas si vous l'avez euh, si vu, on a pu voir le plasma, le champ de plasma à l'entour de la Terre à, à l'entrée, mais crash, avant de... de aussitôt que euh, l'objet a entré dans l'atmosphère. Elon Musk vient de dire que dans cinq ans, on va être sur Mars. Moi, je vous dis que dans cinq ans, on ne sera peut-être même pas sur la Lune. Aussi, cette semaine, la Chine, une surprise euh, décollage pour aller sur la Lune, que personne n'était au courant. Deux vaisseaux spatiaux, explosion, anomalie, a fait exploser les deux fusées. On regarde des extraterrestres où. Euh, une vraie garde des étoiles, où ce que malheureusement on a la technologie euh, de faire euh, ces choses-là? Euh, l'énergie directe, dirigée, l'énergie dirigée, comme vous le savez, les satellites, même donc, euh, je ne sais même pas si on a euh, le droit d'en parler. On a entendu euh, avec les lasers euh, récemment de la Chine, les satellites qui ont passé, qui ont causé des feux. Et Darla, en tout cas, puis le monde dans mon bout du monde, j'ai fait des recherches sur les feux qui ont été mis, apparemment causés par quelqu'un ici au Québec. Savais-tu, Darla, que ce monsieur-là, ou madame, peu importe, cette personne-là a plaidoyé que c'était... Un, un, un scandale, là, une menterie faite par le gouvernement canadien, là, que c'est quelqu'un qui avait mis euh, ces feux-là, que ce n'était pas lui, que c'était le gouvernement. Puis là, ensuite, ils disent après ça que la personne a avoué que c'était lui. Fait que là, on ne le sait pas. Là. Je te le dis, c'est fatigant à ta barouette de savoir que je peux être en camping avec mon fils ou avec un ami euh, dans un forêt là, au Québec. Là, puis là, soudainement, le feu peut poigner. Puis tu sors du forêt, là, puis blâme-toi quand c'est en réalité le gouvernement. Ah LA, the hail has arrived. Commence à griller ici aussi. LA en Ontario commence à griller à 10 minutes, puis là il grêle ici. It is, but make it happen. The Matrix can be totally changed. I promise you. I promise you, LA. I promise you. The Matrix can completely be changed. Our lives, our paths, tout peut être changé. Um, moi, à chaque soir, je me couche, every night I go to sleep, I try, I go to war with the elites and I try to uh, take back the world. À chaque soir que je me couche, je fais une guerre avec les élites, puis j'ai le pensée avant de me coucher, j'envoie de l'énergie avec mes pensées envers tout, tout ce qui est négatif sans viser. Euh, quelqu'un sans souhaiter que quelqu'un meure et souhaiter en place une positivité. Ouais, on ouais, ouais, la, la tempête là. <laughs> Je vais-tu être euh, emporté dans un trou noir là? <laughs> là le gros gré qui tombe. Régis, ben, ça va? Denis la bonté. Thanks guys, merci hein. Fait que là, il y a une poussée non ils vont pousser à l'intérieur le congrès aux États-Unis, c'est certaines... sûr que c'est du monde corrompu, mais ils ne sont pas tous corrompus, puis à l'intérieur, il y a des personnes assez élevées, euh, haut placées, qui veulent essayer de faire sortir la vérité parce que, euh, ben, peut-être parce qu'ils ne font pas d'argent tout simplement, ouais. hum. mais euh, c'est vrai, les projets donc euh, qui sont secrets, là c'est confirmé aussi que les ceux en charge sont obligés de mentir. Euh, puis je ne parle pas de David Grush. Là, je parle des ceux que David Grush parle de ces projets-là. -là, C'est tous des projets que les ceux en charge là, vont être euh, euh, continuellement en train de mentir pour cacher euh, la vérité. Sinon, ils vont se faire tuer. C'est logique. Oui, oui. Gros bisous. Deux bisous de France, mon Brut. Ben, merci beaucoup. Merci Laetitia, la gang. Richard Raymond, merci, mon frère j'ai bien aimé ta dernière chanson. Ben, merci beaucoup, Darla. Je t'aime fort, Darla. Merci. Ben oui, tu vas, vas peut-être avoir un peu de grill, Darla. Hey. Merci vraiment beaucoup, euh, ma soeur. Je t'aime fort. Ça, nah, c'est uh, fringlish. That's fringlish L.A. Ça, c'est franglais. Je, je comprends, mais everything else, grammar, spelling, uh, etc., uh, out the window. <laughs> well, je comprends, you understand. But that can't be the first sentence you learn <laughs> because you don't understand. Je <laughs> like, dis L.A., Elle comprend la phrase je comprends. Mais j'ai dit, elle ne comprend pas rien d'autre. Fait que j'ai dit, peut-être le mot, la phrase je comprends, c'est pas la première phrase que tu devrais dire au français. Mm -hmm. Hey! En direct du plateau de tournage, Alex, comment ça va avec notre ami Alex Fortier? Thanks, guys! Elle vous prie dans flat! Dans la flaque, dans la pluie, ça s'en vient. Oui, Sébastien, au euh, commercial, puis je vais te l'écrire ici, directement dans le feed. Mais quand tu arrives là-bas, tu vas voir Bruce César. mais c'est stupidement en fait. Je ne l'ai pas ouvert en attendant Bruce César. Je l'ai ouvert Ufology Canada, Ufology Canada, mais en anglais avec un Y, écrit exactement comme ça. Quand tu vas sur le, la plateforme X, tu fais A commercial dans le search. A Commercial Ufology Canada. Comme ça, exactement. Le U euh, en majuscule, puis le C en majuscule. Oui, puis au Québec, il faut faire gaffe car euh, par, parfois. Euh, il nous foutent des hologrammes dans le ciel. Ben oui, il faut être au courant de tout pour qu'on euh, se dessus. Ben, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Ça se voit quand c'est Biden, oui, comme Joe Bidono. Ben, hey, ça, c'est bien que tu lui as donné comme un, un air italien, parce que disons que, ma fille, ouais. Et oui! Le Blanc dans la maison. Merci Leblanc. Yann et Rookie dans la maison. Hey Alex Fortier, Je viens de dropper un like, mais je ne peux pas rester. Bonne journée. Ben, bonne journée à toi aussi, Alex. Bonne journée. Allez house, les boys, amusez-vous bien. Pis écoute, Crazy Music Space Jam vient de faire un live. On vient tout juste quelques heures hier soir. Mais on s'est fait vraiment du fun. Prenez le temps d'aller voir. Pas hier soir, excuse-moi. <laughs> Samedi après-midi. Prenez le temps d'aller voir la chaîne Crazy Music Space Jam. Il est juste là. là. On s'est fait du fun sur un autre stream. N'oubliez pas votre pouce pour la chaîne. Thank you, guys. Des tableaux datant de 15 représentants des secoupes des choses qui ne sont euh, pas censés avoir existé au Moyen Âge. Ça, c'est vraiment vrai. Hein? Et ça, so, tu sais, sur euh, les hérogliefs, on a une partie où ce qui monte sur les hérogliefs, un avion, euh, l'avez-vous vu celle-là? Un avion. Euh, Qu'est-ce qui ressemble à un avion? Un hélicoptère carrément, là, la forme hélicoptère au complet, là, avec le, le, la base, incluant avec les hélices, puis le centre, là, le, euh, le, où est ce que ça tourne, la rotation, le rotor un bateau aussi, semblerait-il. Moi, selon moi, tout ce que nous avons comme technologie aujourd'hui, c'est tout ce qui a été trouvé dans Terre. Ici, selon moi, selon les archéologues ou bien tout simplement des trouvailles qui se sont faites. Mais là, le problème que moi j'ai puis que j'en suis quasiment sûr, c'est que il y a des choses qui se sont faites trouver que le monde ne mentionne pas. Aussi, êtes-vous au courant quest ce qui s'est mentionné? Non, 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 tout le monde. Il y a un ovni au-dessous d'un bâtisse placé à quelque part dans le monde que le bâtisse sert de deux fonctions. Puis là, quand que je te dis ça, ça tu as bel et bien compris comme il faut qu'est-ce que je vous ai dit. Il y a un ovni sous terre qui est enterré ou bien enterré au-dessous -dessous, au d'une bâtisse. Fait Autrement dit, il y a une bâtisse de bâtis alentour. De cet objet-là. Mais il y a deux fonctions de bâtisse. Fait que, probablement tu rentres dans ce bâtisse-là. Il fait de l'argent pour vrai, peut-être même c'est pour le public, mais dans le sous-sol, un endroit, puis ça n'a pas de choix, aller dans le sous-sol, hein. c'est un vaisseau spatial assez gros aussi. Fait que là, on parle de quelle grosseur? Par exemple, le CERN qui passe au-dessous de la Terre, là, qui font des, euh, des particules qui se marchent ensemble pour ouvrir des, euh, des trous noirs les malades. là. Des atomes euh, à 99,99 ,99 la vitesse de la lumière là, pour euh, créer des éléments euh, donc qui n'existent même pas dans l'univers. Ça se fait tout ici sur Terre. Qui, qui dit dans le centre de tout ça, tu n'as pas un ovni dans le centre qui sont en train d'essayer de, de faire la rétro-ingénierie pour être capable de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Ça, c'est sérieux en tabarouette parce qu'on ne sait pas c'est qui qui a possession de cette technologie-là. ben on peut confirmer les États-Unis. Ont cette euh, technologie, et peut-être pas capacité, mais cette technologie, euh, la Chine et la Russie. Pis ces trois pays-là, -là, pays -là, c'est eux autres les, les problèmes. Pro Voyons, ouais, hein, Bruce. C'est eux autres les pro problèmes. Je m'en ai dit les programmes. C'est eux autres les problèmes, parce que je pense au programme euh, Black Program, des levées fonds, Black Project. C'est tous nous autres qui payons pour tout ce qui arrive qui est secret à l'entour de nous autres. C'est de l'argent des personnes qui payent des taxes dans beaucoup de pays. Comme là, présentement, on a envoyé tous nos dollars de taxes euh, à la guerre hein, en Ukraine. Hein. Voyons donc. Rendu un peu stupide. Henri, merci encore ici. Hey, yes! Garde-le, Delson. Pas si loin que ça non plus, Delson. Le de tout, c'est... Euh, de ne pas être contrôlé. Régis Bernard, exact, c'est cinq, ça. Hello, Cat, Bonjour, les modos. Et hey, tout le monde, merci beaucoup. Amour et paix à toi aussi. Merci beaucoup. Ah laisse us let's google translate pour uh <laughs> pour savoir. That's cool. CLA Claude says that uh, if you want, uh, she, she can help you. She's an uh, administrative assistant, um, in a research uh, center and uh, she takes uh, takes back patrons and uh, the scientifics. scientific people, patrons, not patrons, sorry. Ça m'a fait un super grand plaisir, non, non, non. non. Oui, dans long hier au Québec, 8 degrés. Comment est-ce qu'il fait ici, Christiane? Je vais te dire ça tout de suite. Enfin, essayer de deviner. Je n'ai même pas été dehors, mais euh, ça ressemble à, à un 5 degrés, pas mal. Ah, en tout cas, vous ne me créerez pas. 5 degrés exactement. Et ceux qui savent dans quelle ville que je reste, allez immédiatement voir. Je, je, je mentis. <laughs> ça. Il fait 5. Il fait 5. Euh, le ressenti est de 3 degrés. Puis on a de la merde qui s'en vient après-midi encore. Euh, de la pluie, je suppose, d'heure-là. Ça reste que tous ces livres-là, oui, ils sont absolument très intéressants. Pour ah, que les, les, les personnes disent qu'il n'y a pas rien de, de mauvais. Hey, puis écoute, euh, Claude, autant la Bible que j'ai ici, des choses, je ne suis pas trop d'accord avec ce que je lis dedans. Là, des fois, on entend des choses euh, un peu euh, méchantes. La pluie avait les fils. Yeah. Uh, L.A., uh, this week. Mais. Uh, Be careful if you're watching Rebel News. I've been watching Rebel News and it's been getting me down, L.A. Il y a beaucoup de personnes, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, cette semaine, j'ai vu des nouvelles, la gang, là, les attaques qui se font sur les Juifs, les attaques qui se font par les, les... tout-culs le Damas, là, je ne me cacherai pas, là, les pro... ceux qui font des protestes au Canada pour Damas, et ils disent uh, « Yallahou Akbar hey, ». Ça, c'est une vraie farce. Il me semble qu'on a fait des barbecues en avant de, des masques. Barbecue, là, puis en, en sortant, on leur fait des, des steaks des, de, de bacon, des chops de porc. C'est ça, c'est une insulte. C'est carrément ça qu'ils sont en train de faire en train de nos pays en, en faisant ça. Trudeau, il faut qu'ils partent. Les personnes, les immigrés qui sont ici, là, tous les Chinois que je connais, puis tout, j'ai jamais de problème avec eux Les Eux autres ne nous causent pas de problème. Nous, on leur cause pas de problème. Ils ont le droit de leurs écoles. On a le droit de nos écoles. C'est le fun qu'on s'entende tout bien ensemble. faut que ça vienne à ça. faut accepter nos, nos différences. Moi, j'accepte toutes vos religions ici. Ceux qui sont religieux ou non. Parce que la vie ne euh, vient pas à la religion, selon moi. La vie euh, vient à être une bonne personne. Moi, ce n'est pas la religion qui va me dire d'être une bonne personne. faut être une bonne personne. Puis, euh, se revirer, là, puis laisser quelqu'un te taper dans la figure, je le, je le fais une fois. <laughs> tu sais, il y a une limite. Tu sais, quelqu'un peut se protéger. Il y a un fusil, par exemple. Il peut, il peut se protéger en tirant quelqu'un dans, dans, dans le pied. Il peut se protéger en euh, se protéger en tirant dans les airs aussi, sans être obligé de tirer quelqu'un. peut-être un il peut être malade que lui, c'est directement en tes deux yeux, parce qu'il dit qu'il est coupable c'est prendre la vie de quelqu'un, même si quelqu'un serait malade là, si je, ça serait jamais de là il y aurait beaucoup de mal de, de, de patte ça serait des pattes c'est ça parce que je suis un, je suis un gars euh, euh, de bon cœur. Puis que même quelqu'un qui est super machin, je voudrais pas euh, que lui ou elle souffre pour sortir de, de, de cette vie, oui j'aimerais ça qu'il y ait des leçons mais moi je suis pas un dieu quand je dis une leçon, c'est j'aimerais que cette personne-là comprenne qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis arrêtez, on est ici sur Terre pour ça, pour comprendre qu'est-ce que on fait de de mal. Alors, pris dans un monde physique, on est des armes, on est des esprits, là. on est des fantômes comme comme toutes les autres qui sont en entour dans les autres dimensions, mais on, we're grounded, on est pris ici. On est comme attaché sur une chaîne. C'est comme un, un ballon avec l'hélium dedans. Là. Mais il y a une corde, puis c'est planté dans la terre. Tu peux pas. Euh... Mais il y a moyen de couper la corde. Je ne te parle pas de couper la corde, là. Il y a moyen de faire des voyages astrales. Mais ça, encore une fois, c'est juste des termes que le monde donne. Pour ça, je n'en parle pas trop directement de ces termes-là, voyages astrales quoi que ce soit. Moi, je plane, oui. Ça m'est déjà arrivé. Non, euh, je ne peux pas. Euh, euh... Venir avec vous autres, m'asseoir, puis décoller pour aller dans une autre dimension, non? Mais il euh, euh, y en a qui interprètent ça par des rêves, il y en a qui interprètent ça par euh, des, des, euh, des rêves vivides, ou non, ça se dit pas ça, des rêves euh, comme réels, autrement dit, tu sais. Merci, Mix Radio. Le Verbe est créateur comme les pensées. Merci, Régis. Ils Sont déjà sur Mars et depuis euh, un bout de temps, ben saut so, justement. Euh, on peut dire que Haïm Hached, ancien ministre de la défense d'Israël, lui a dit après sa retraite parce que c'est ça qu'ils font tous, puis quasiment à peu près à la même âge. Il y a des hybrides sur Mars qui restent à l'intérieur du sol de Mars. Euh, il y a un Stargate là aussi. Puis Ça là, c'est pas la même histoire. Que Andrew Bassiago, êtes-vous au courant de celle-là aussi? En tout cas, une chose à la fois, Haïm Hachette a dit qu'il y a des hybrides américains, pas humains, qui travaillent pour les États-Unis, qui sont là sur Mars. Ça, ça fait un peu peur. Puis ça, là, la gang, c'est Haïm Hachette qui a dit ça. Si Haïm Hachette dit ça, là, il ne devrait pas avoir eu le droit de dire ça. Ou bien, s'il si a dit ça carrément à la télé, parce que c'est à la télé qu'il dit ça, là, dans une entrevue en direct, c'est parce qu'il peut avoir un peu de vérité à tout ça. En théorie, ça ne veut pas dire que, que oui. Plus, Yann euh, Hiroki dit, s'il y a un dieu, il ne viendra pas chercher des religieux, mais des humains aimant beaucoup euh, seront surpris. Merci beaucoup, Yann. Je suis d'accord avec toi, en plus, avec cette idée-là. Comme les personnes qui recherchent Dieu dans le ciel, qui okay, est dans ton cœur. Diane, bien dit, Yann. Uh, Diane, comment ça va? Woolwich Girard, pourvu que dans cinq ans, on soit toujours sur la terre. Ouais, ça, ça c'est un atout. Exactement, un atout. On a Apophis qui s'en vient, euh, l'astéroïde, qui, euh, qui va essayer de le dévertir. Savez-vous ça? Il y a un projet? Il va rapprocher la Terre bientôt, c'est 2029. Peu importe, peut-être même un peu plus tôt que ça. Aussitôt qui va passer près de la Terre, ils vont essayer de le dévertir, le, le, le faire changer d'angle et de trajectoire, comme qu'ils ont fait avec l'autre projet. Hey, le monde, on est tout, tout en train d'oublier tout ça. Hein? Il est arrivé plein de choses. Avez-vous idée combien de fusées a mal fonctionné? Je pense qu'on est rendu à 30 ou 40. Là. Il n'y a pas aucun pays qui est capable de décoller sur la Lune. Là. Japon, la Chine, SpaceX. <laughs> Remarque bien qu ce que je te dis. La Russie. Est-ce qu'ils vont réussir? Selon moi, non. On ne s'en va pas sur la Lune. N'oublie pas, ils ont reculé, euh, la Lune. Hein. Artemis, là, c'est rendu 2027. Puis même, il y en a un qui m'a dit 2028. Je ne l'ai pas entendu de 2028. J'ai entendu que c'est reculé en 2027. Déjà là, c'est assez loin. Euh... Moi, ça me ferait parce qu'il encore une coupe d'années que je vais avoir une dominance sur les vidéos de la Lune, mais j'aimerais ça en tabarouette qu'il atterrisse sur la Lune qui montre vraiment la vraie surface. Ça me, je ne sais pas. À quelque part, dans tout ça, ça me, ça me surprendrait quasiment euh, qu'ils veulent faire ça, le, montrer la vraie Lune. Réal Fortin, vite des toits bleus. Euh, oui, tu as, as enlevé les mots. Merci Diane Robert. Tu es. Euh, tu as enlevé les mots de dame à bouche parce que c'est ça, les lasers ne fonctionnaient pas avec la couleur bleue. Les toits bleus n'ont pas été euh, brûlés. Puis les amis, il y a une vidéo où ce que Biden dit, avez-vous vu les toits bleus n'ont pas fonctionné? Et mot pour mot, il a dit, il va falloir qu'on... En tout cas, ce qu'il dit, il va falloir qu'on... En tout cas. Biden est au courant. C'est lui qui le fait. Imagine donc, là. Tu sais, avec ce qui est arrivé à Hawaï, Maui, là, puis tout ça, les feux, là. C'est écœurant, ça. Qu'est-ce qui est arrivé. Puis, écoute, le monde, on est fort, la gang, parce que le monde l'a vu tout de suite. Une maison complètement... Hey, la gang! Ils ont dit que c'était un miracle. Là. Regarde, les amis, euh, une église pour brûler. Euh, par le feu, mais regarde tout le tour, complètement brûlé. C'est un miracle de Dieu, les amis. C'est pas un miracle de Dieu, c'est Biden qui est en train d'essayer de brûler et toi. Eux autres, l'histoire de Maui, c'est qu'ils veulent faire une île euh, automatisée, mais les personnes, les natives de l'île de Maui, d'Hawaï, ils sont encore sur euh, cette île. Et à cause qu'ils sont encore là, eux autres vont toujours avoir le droit d'être là. Mais là, avec les décès, avec les ceux qui ont déménagé, avec le fait qu'ils ne pourront plus retourner, le pensez-vous que Maui est complètement détruit? Il n'y plus personne là? là? Hein? Ça, là, c'est une place, là, là, en tout cas, Elvis, puis tout le monde ils ont fait des films là-bas. Ça a toujours été une place en droit, là. À, euh, pour le monde qui eu, là, est là. C'est triste. Qu -ce Qu'est-ce qu qui est arrivé? Puis euh, ça a été vite en tabarouette Le monde a sauté dans l'eau. Il n'y a pas personne qui avait euh, le temps de rien faire. Puis la police et les policiers de cet endroit-là, là, ils ont bloqué le trafic. Là. Ça a tué du monde, ça-là même pas trop le droit d'en parler. On a entendu parler euh, une fois du euh, pyromane et silence par la suite. Exactement. T'entends parler un pyromane puis après ça il mentionne pas. C'est comme s'il se protège Les médias qui sont, qui sont payés par Trudeau, là, en partant là, ici au Québec, on ne le cachera pas. J'imagine en partie le Canada entier est comme ça. Là. Well, thank you very much, La. Je vais est en train de se passer et dire Non, je ne vais pas envoyer How Comment <with> ça that être <coughs> Excusez-moi. Il <coughs> me semble que. Hey, Frank, vous en êtes Il me semble que uh, j'ai vu uh, passer que la Chine avait uh, retourné sur la Lune uh, quand j'ai vu ça me demandait si tu avais filmé. Oui, euh, ils ont retourné. Je n'ai pas pu filmer. Mon ami Frank Bizanet, Thanks, Frank. Je n'ai pas pu filmer pendant ce temps-là à cause que euh, c'était nuageux. C'est le temps qu'ils prennent, eux autres, pour aller là, les écœurants. Mais oui, durant le, le, un des projets Artemis, le 1, le 2 et le 3, avant qu'il aille sur la Lune, le 2, ils ont envoyé, si je ne me trompe pas, si ce pas la Chine, c'est la Chine ou c'est le Japon, hein? Qui ont envoyé un vaisseau spatial euh, secret, donc avec une propulsion inconnue qui voulait tester. Puis euh, euh, apparemment, ils l'ont perdu, ils ont eu de la misère avec ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Bonjour Martine. Comment ça va, Martine? Bruce, as-tu vu euh, ma vidéo où on voit des flashs violents dans le ciel? Non, on va aller checker ça tantôt, man. Des assez bons vidéos sur la chaîne Ayane dans le ciel, les chemtrails, puis de tout. Amenza, l'humour. Un autre bel endroit, Mont-Saint-Hilaire. Merci, Claude. Gros soleil, t'es chanceuse. Ça fait dur ici, on vient d'avoir de Grélon. Quand même, c'est pas cool, ça. J'espère que tu vas bien, Martine, 888, ta fille. C'est pas que les choses s'avancent bien. Bien dit, L.A. Take them. The damn system doesn't permit us to take the vacations. Tab ben ouais, c'est -ce pas drôle d'être vieux. Qu'est-ce que c'est ça? Prenez une telle heure, un certain âge, là, les l'équilibre là, prend plus de, 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 de temps à descendre. Je ne sais pas ce qui brette. Ensuite, on... ah, en tout cas. Tu as raison, Bruce, c'est une forme de prière le soir pour une énergie libératrice pour l'humanité. Merci, Sébastien. Moi, long live awake people. Je suis vraiment content de mes amis qui sont réveillés. Béa, dans la maison. Souhaitez donc une bonne fête à Béa. vient d'avoir sa fête qui vient de passer. Ben bonne fête encore une fois, mademoiselle. Ah, young like me. We're young. On est tout jeunes, L.A. We're going to see the good times, L.A. I'm pretty sure. Sur la vidéo, on voit des flashs violents dans mon ciel. On va aller checker ça for sure. Aha! Possible, Blue Beam? Yeah, I definitely am, and uh, they hate me for that. Nothing, uh, there's nothing. I can't make money online, that's for sure, because of that, because of, of what I showed, but it doesn't matter. The truth will come out. Thank you very much, LA, for appreciating it. bruce j'apprécie tes vidéo où il y a tous les OVNI. Merci, Laurent. Thanks, bro. Ah oui, puis il y en a en tabarouette, la gang. C'est à chaque soir qui fait beau. Les OVNI sont en train de se lever en arrière du... même endroit, c'est sûr que ce n'est pas des satellites, ça c'est définitif. C'est pour ça que quand Nino, Nat a demandé à propos des gremlins, je me suis dit, ben, imagine si les gremlins euh, euh, c'est ça que je serais en train de filmer, que c'est des sensors. Moi, honnêtement, je pense que c'est pas ça. Hein? Euh, J'ai fait des études, euh, des recherches, c'était moi ici, incroyable sur les photons, il a pas juste les photons, il y a beaucoup d'autres euh, sortes d'énergie, des particules neutres dans l'univers où -ce que on peut se promener à travers euh, des étoiles sans avoir un, un fuel. Là. Puis euh, honnêtement, c'est tellement avancé là, le secret. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va savoir exactement la vérité, même pas moi. À faire, être obligé de faire des recherches dans physique, puis sur les lumières de photons, là, puis de Colo Tesla, tu vas avoir, va avoir pas combien d'années d'être capable de comprendre une petite partie de mes recherches, imagine donc. Fait que je ne suis pas trop acharné de ça. Mais écoute, j'en apprends tous les jours, OK? Les lumières euh, photoniques, un photon, OK? Euh, c'est une lumière qui se produit par beaucoup de différentes manières. Hein? Euh, Bob Lazar a mentionné que les vaisseaux spéciales euh, qui ont vu là-bas euh, dégagent euh, une matière noire, puis quand la matière noire rencontre l'atmosphère, l'oxygène et tout, il y a une lumière de photons qui apparaît. Hey, la gang! En parlant de mystère, êtes-vous courant, puis Bob Lazar a mentionné ça très récemment, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de renseignements euh, avant que je quitte, là, à l'intérieur de les ovnis qui sont petits que Bob Lazar a vus à Area 51. Apparemment, il n'y avait pas de siège à l'intérieur. Il n'y avait pas de angle. Puis ça, là, pour moi, c'était fascinant. Il n'y avait pas d'angle droite. Tu comprends là-dessus, ça? Qu'est-ce que je dis, là? Il n'y avait pas d'angle droite à l'intérieur. Il n'y avait pas rien de symétrie, là. Symétrique, à la, il n'y avait aucune symétrie à l'intérieur du vaisseau. La manière que c'était fait, là j'ai des frissons quand il a mentionné ça, ça a été fait comme euh, tu l'aurais crié euh, en cire, là tout placer les, les objets, les endroits, ce qu'il faut qu'ils aille là. En anglais, en tout cas, die-cast, die cutter. Tu, sais, tu, tu fais comme un, une plaquette de bois. Là, j'ai travaillé dans le papier là, pour faire les annonces de journaux. Là, tu places tout ça sur une plaquette, le placer, puis là ensuite tu le tapes. Ben, le principe, que comment est-ce qu'ils l'ont fait Mouler euh, le vaisseau spatial et que tout est, il n'y a rien d'uniforme, mais tout est aligné complètement avec. Chaque morceau. Tu ne vois pas de morceaux à l'intérieur de ce vaisseau-là. C'est juste des gouttelettes coulées, euh, tous des niveaux de gouttelettes coulées, comme de la lave qui a coulé, là, mais sont toutes placées comme il faut pour être euh, exactement arrivé à l'endroit où que, cette goutte-là, il faut qu'elle arrive avec l'autre goutte-là sur l'autre mur. Là. Fait que là, là, si tu dis que ce n'est pas quelque chose. Euh, qui, si tu dis que c'est quelque chose qui n'est pas extraterrestre, il ne ben, pense même pas. Oh, que oui, que c'est extraterrestre. Là. Puis, n'oublie pas euh, les renseignements qui nous tient, qui tient de la public, euh, comme un secret. S'il dirait, on le saurait que c'est des extraterrestres. Mais il est arrivé des choses, il est arrivé des suicides, des meurtres, puis, euh, des décès, puis ces choses-là. C'est sûr qu'ils euh, ne veulent pas euh, en parler. Oh, right on, LA. I gotta get out the channels, LA. I don't. And I should. I wish I had more time to. Yep. Les Allemands sont euh, les premiers à avoir euh, construit les premiers euh, secoupes. Oui. Et pas juste ça. Recule même avant ça. Durant la guerre, là. Ok. Aujourd'hui, les jets que nous avons au Canada, puis à l'entour du monde entier, la Russie, les États-Unis, puis tous les pays au monde, la forme de ce jet-là, de tous les jets qui se rassemblent tous, comme les Raptors, les F, whatever, dans tous les pays. Ça, c'est les Allemands qui avaient fait ça. Durant la guerre, les Allemands avaient un jet qui roulait 1100 km h dans le ciel. C'était avancé, là, quelque chose de ra rare. Là. Le nom du secoupe aussi, puis c'était pas un secoupe, mais ben, euh, oui, il y avait des secoupes aussi, mais tu comprends, je crois, en théorie. As-tu uh, as entendu parler du uh, saut so, du um, Diedlock? D-I-E-G-L-O-C-H. Diedlock. Apparemment, ce vaisseau-là, um, ça l'aide l'air un, un chose de métal que tu mets sur les doigts là, pour faire de la couturière, pour ne pas te puncher le doigt, te pincer le doigt. Euh, mercure rouge à l'intérieur qui se sert de ça, fait qu'un produit à l'intérieur. Tu sais, qu'ils disent un ovni est toxique, là, c'est épeurant, hein, parce que comme la selle qui est venue très proche de moi dans le cours, là, euh, si ça serait toxique, euh, ouais, tu il faut vraiment y penser la radiation, puis tout ça, là. Le lendemain, j'aurais pu me lever le lendemain, par avoir de cheveux, okay, puis, euh, des kisses, puis des, des choses pleines de pis dans la face, hein, ça fait peur, mais t'sais, une réalité à tout ça. Mais est-ce que c'est les extraterrestres qui ont ces produits-là à l'intérieur? Je ne pense pas. Ben, regarde les vaisseaux spéciaux, la gang que je vous ai montrée dans l'atmosphère de la Lune. Tu vois une fumée en arrière des vaisseaux, puis ils sont comme... Elle se promène, tu croches, tout tranquillement, puis ça descend dans l'atmosphère. Ça n'a pas l'air d'un être avancé, ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses sur la Lune qui n'ont même pas mentionné. Là. Imagine, là, si c'est... Si on a plein de races ici sur Terre, là, humains, là, juste les races humaines, là, une vingtaine, trentaine de différentes cultures, là, je ne sais pas combien il y en a. Imagine sur la Lune s'il euh, y en a autant. Paul Hellier, ministère de, Déf de la Défense au Canada, il est, passé, il est décédé. Il a une couple d'années. Sais-tu que ce gars-là a parlé de quatre à six espèces qui existent pour vrai? Il parle des Nordiques, il parle des Blancs, oui, euh, les Nordiques. Euh, puis je t'appelle pas des Nordiques de Montréal, là. je t'appelle des Nordiques, les blonds, Nordic Nordiques euh, blondes eux autres. Apparemment, puis moi, tu traînes jamais trop là-dedans parce que j'ai pas la preuve, mais ça m'intrigue que les, les ministres de défense euh, puis de tous les pays au Canada sont en train de parler de ça que les espèces existent vraiment. Le problème, c'est que les Nordiques ont de humain Moi, l'histoire a fini là. Les extraterrestres sont ici puis ils ont la même forme que nous autres. Comment est-ce que ça changerait l'histoire ça L'histoire serait complètement changée, complètement changée. Si le seul moyen de savoir si quelqu'un est un extraterrestre ici, c'est de savoir dans notre DNE, euh, notre ADN, pourquoi tu penses qu'ils veulent mettre un chip dans nos bras Pourquoi tu penses que des rayons X partout dans, dans les aéroports, tu, tu penses-tu juste pour voir s'ils veulent voir si quelqu'un est un, a un pénis ou non Je ne pense pas je pense que c'est vraiment pour voir quelque chose qu'on n'est pas au courant. Donc, le gouvernement peut voir un rayon X de l'humain euh, qui travaille des hommes en noir sur des projets secrets. Il y a peut-être un, une petite différence dans le ADN de l'humain avec les nordiques, par exemple. Là, on parle en théorie, là, qui ne pas capable de, de le retracer ou le retrouver. Là. Si les extraterrestres sont ici, euh, puis ils nous ressemblent. Ils ont juste euh, besoin de parler euh, notre langue. Non, ils n'ont même pas besoin de parler notre langue. Il y a plein de langues dans du monde qu'on ne connaît même pas. Des tribus euh, magnifiques sur, sur euh, des îles qui parlent, qui n'ont même jamais été découvertes encore sur Terre. Puis l'Allemagne, Musk qui dit que dans cinq ans, on va être sur Mars. Là. Hey, toutes les. Tu sais, la divulgation qui s'en vient, la gang, là, pour les ovnis, là, selon moi, ça ne serait pas juste une divulgation sur les ovnis. Ça va être une divulgation sur l'humanité. Moi, je crois que c'est ça, là, que sur le, le plan, sur l'avant-plan, l'avant-match, disons. Ben, Peut-être pas l'avant-match, mais le gros plan, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire? C'est que c'est logique, le Pansy, là. On va commencer à avoir plein de grandes associations. Euh, comme des banques, et pas juste des banques, côté médical, côté la bouffe, côté euh, fédéral, les polices, puis tout ça. Les, ils vont faire de la merde avec des ponts, ils vont nous charger des, des euh, les postes de payage, puis tout ça. Tout ça, là, ça a tout rapport, ça a tout un rapport. Le système, l'énergie libre qu'ils qui vont amener à nous tous, là, est déjà fonctionnel. Euh, c'est juste qu'attendre que le système crash, puis c'est ça que je ne sais pas. Euh, Comment est-ce qu'ils vont faire crasher le système? Peut-être je sais comment, mais je ne sais pas pourquoi qu'ils m'ont donné comme raison que le système va, va crasher. Est-ce que ça va être un attaque électromagnétique, euh, une pulsion électromagnétique du Soleil ou bien une guerre nucléaire euh, dans l'espace? Selon moi, une guerre nucléaire, ça n'arrivera pas. C'est absolument impossible. Puis écoute, euh, la gang, je peux vous reculer aussi loin qu'Admiral Byrd. Ce n'est pas à cause qu'Admiral Byrd a parlé de quelque chose que c'est même réel, mais honnêtement, il a rencontré apparemment les personnes à, à l'intérieur de la Terre, là, au bord du mur, là-bas. Il a monté là avec 4800 soldats. Il a monté là avec deux ou trois navires, là. Des, les, 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 les carriers qu'ils appellent là. Okay. Euh, des avions, plusieurs de différentes sortes d'avions. Un avion qui est capable d'atterrir avec des grosses roues là, facilement, puis décoller rapidement, directement là, sur les, les, les plateaux. Puis là, il y a plein d'histoires qui arrivent, que c'est supposément son fils euh, qui a eu son, euh, ses textes, là, puis ses livres, ce qu'il écrivait personnellement à chaque soir, puis qui a tout avoué, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ça. Puis, on entend parler de cette histoire-là, qui ont, qui ont vu euh, un endroit où -ce il y avait des, des, des chutes d'eau, euh, de végétation incroyable dans l'Antarctique euh, et tout. Écoute, ça reste que c'est juste des histoires intéressantes, mais à un moment donné, euh, on va-tu faire ça encore une autre centaine d'années, juste parler de ces mots histoires là ou bien le monde va devenir curieux et vouloir s'aventurer dans l'Antarctique? Puis, ils ont vraiment une contrôle sur nous autres. Ça, le contrôle, c'est sûr et certain. Ce n'est pas parce que tu peux voyager avec ta famille ou que tu as un travail qui te permet d'aller euh, aux îles Fidji pendant trois mois par année et revenir chez vous. Euh, tu te sens libre. Tu n'es pas libre. Tu es pris à l'intérieur d'une prison, d'un euh, camp de concentration qui est gigantesque, où ce qu'on n'est pas capable d'avoir les barrières ou les murs, mais en réalité, tout est caché. Tu sais, le film 1984, 1984, là, je ne sais pas si vous avez vu ça, ou si c'est quelque chose que même les Français sont au courant. Là. 1984. Hein. Bomb fail sudden. How do you think uh, people will react all over the planet? Um, si une bombe tombe euh, à part LA, euh, LA euh, extraterrestre, qui tombe des cieux, comment hein, tu penses que le monde va réagir à travers la planète? Ben, un, je vais répondre qu'on ne réagira pas. <laughs> on va peut-être y passer. Ou le monde va réagir en pensant, LA, que c'est une fausse évasion. the same excuse I just replied to what a lot of people are saying not that I like stealing people's uh, ideals or trends but the ideal la that if that bomb drops people are gonna uh, think that it's possibly uh, if we live that it's possibly a false fake alien invasion and that everyone will automatically assume that it's governmental Doing it and not, you know, alien. Créer une énergétique autour de la Lune pour empêcher euh, euh, d'y aller en voyage astral. Ils ne veulent pas qu'on aille et voir ce qu'il y a dessus. Impossible. Ils te chassent. Merci, Frédéric. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir qu'une vision. Hein? Si tu regardes ça comme tu veux, une vision d'être capable d'avoir la surface. C'est comme toutes les personnes qui disent qu'ils ont fait des euh, voyages astrales pour aller sur la Lune ou quoi que ce soit. Hé, hey, écoute, moi j'ai l'impression que j'étais emporté là à un moment donné. Mais ça reste que ça peut être une rêve réa un rêve réalistique, un rêve réaliste, euh, tout simplement, réel, rêve réel. Mais euh, moi, ça a toujours été euh, well, en anglais, yes sir Pierre, Direct Energy Weapons, l'énergie directe. Elle est dirigée, elle est dirigée. Open Winfrey aussi, la vache. Oui, oui. Hey Darla, tu es au courant de ça? Fier de toi. Euh, Fier de toi que tu es au courant de ça. Euh, absolument. C'est elle, là. elles elle, elle, sont en train de tout acheter, le, le terrain, territoire là-bas, là, à Maui ou à Hawaii, là, les 40. tu vois c'est ça c'est ça que j'ai écrit ça dans ma communauté euh, exactement comme Darla a dit les extraterrestres euh, sont pas ici pour détruire la planète euh, Terre mais pour, pour la protéger sont pas ici pour, euh, pour les humains c'est exactement selon moi qu'est-ce que je crois et les explosions qui se sont fait faire ici par les bombes nucléaires Hiroshima puis tout ça là, ça là regarde Tchernobyl euh, toutes les radiations, le, les toxines, puis tout dans l'air, ça apparemment, Paul Hellier, là, ministre de la Défense du Canada, ça l'a créé dans un autre, d'autres dimensions ou ailleurs, dans d'autres galaxies, des, des problèmes à cause de ces explosions-là qui sont ici. Puis comme que j'ai mentionné dans ma communauté euh, aujourd'hui, puis comme j'ai mentionné, mentionné dans le, le passé, ils sont ici pour protéger la planète Terre pour pas qu'on on la détruit, mais je crois qu'ils se servent euh, d'une un, loi que en réalité toujours dans le but qu'ils peuvent faire leur travail sans faire de mal aux humains. Fait que c'est pour ça que tu vois pas nécessairement un extraterrestre qui va faire une explosion gigantesque. Pensez, ils veulent pas qu'on fasse des explosions. C'est notre seule manière d'être capable de de gagner. Tu vas être un dieu, c'est la seule manière d'avoir un pouvoir. Baboum! Grosse petite bombe qui détruit tout, des insectes, peu importe, gang ou non, mafia ou non. Tu crisses le camp et tu cours vers l'autre direction. C'est une bombe. Mais en réalité, on n'a pas besoin de, de faire ça. Il y a plein de manières. Tu sais, il y a une arme de son. Tu peux, tu peux mettre un son, là, une fréquence, là, puis que tout le monde, les oreilles vont saigner là, puis ils vont se casser à la terre. Là, là on s'en vient dans, des, euh, dans de l'expérimentation très dangereuse. Tu peux imaginer euh, combien d'animaux qui ont tué pour faire des tests comme ça avec des machines à fréquence et tout ça, là. Depuis 2022, qui en parle, là, pas juste l'énergie dirigée, les boîtes aux États-Unis, dans les poteaux de téléphone qui ont été installés, c'est des grosses boîtes qui ont été installées en entour du capital aux États-Unis, à Washington. Puis pourquoi? Ben, le monde ne le savait pas, mais apparemment, le, le militaire avait des coquets exprès parce que c'est une fréquence qu'on est en train d'envoyer euh, pour faire des tests. Ça, là, Ceux -là ils sont en train de, de faire des tests sur nous autres. C'est malade, ça, quand tu penses à ça. Là. C'est complètement dingue. Là. Oh wow, Frédéric. Ouais. Oui, beaucoup d'ovnis. C'est, écoute, un ovni, euh, c'est un vaisseau de lumière qui transporte la conscience ailleurs. <laughs> Ça a l'air malade, hein? C'est la conclusion que je suis en train de venir à ces conclusions. Mais il n'y aura jamais une conclusion parce que les lumières que nous voyons sont jamais pareilles. Il n'y a pas un événement à l'entour du monde entier qui peut être mise avec un autre événement dans la même série d'événements de, de, ou de, de, de avec, euh, caractéristiques, par exemple. C'est une lumière photonique en arrière, des lumières de photon, photons qui semblerait-il se lever du sol? Là. Mais est-ce que c'est des photons? Je ne sais pas. Les photons là peuvent être à deux places en même temps. Un photon peut être dans la voie lactée puis peut aussi être dans le centre de la Terre. Un photon peut être dans deux, dim deux dimensions en même temps. Ça ne veut pas dire que les ovnis, c'est des photons, mais quand on voit un photon à l'entour d'un ovni, qui, qui dit que les extraterrestres ne nous voient pas comme des êtres lumineux aussi, des, de la lumière? Euh, euh, le corps humain dégage une luminosité. Nous avons une luminosité à l'intérieur. Puis même, euh, c'est possible de faire des recherches pour savoir c'est quoi le pourcentage. Hein. La lumière sort des yeux, de la bouche, tout ça, puis tu, tu le vois avec un, un appareil infrarouge. Quand tu regardes avec un appareil infrarouge, tu vois que les lumières sont illuminées. Euh, les extraterrestres, euh, les extraterrestres terrestres et non mollusques, terrestre et non terrestre, Ce pas évident pour l'anglais d'être capable de sortir les maudits termes en français. Puis le pays, s'il n'arrête pas de changer les termes, hein? en anglais, les termes d'avenir, il les change continuellement. tout es en train de les changer. It is. Very well said, L.A. Mathematics is not um, something for us to use for calculation. It has to do, I believe, with Um, UFO shapes and symbols les maths puis tous les numéros selon moi ça a un rapport avec euh, la religion la spiritualité puis avec euh, l'électricité euh, puis les autres on présentait ça à nous autres les naïfs là, des numéros pour savoir comment compter nos vaches puis nos moutons là, si nous autres les moutons auraient Sûr qu'il y en a une coupe qui ont dit qu'est-ce qu'il qu dit là? <laughs> qu'est-ce qu'il qu dit là? La gang, je veux vraiment vous, vous remercier d'avoir pris le temps de venir voir ma chaîne, comme d'habitude. Bonjour, Missa. Merci les tis, Melissa. On a vu Melissa l'autre jour sur la chaîne Crazy Music Space J'aime. Merci Cap. Sébastien, je suis croyant en Jésus. J'avais un ami un poète disparu depuis 30 ans. Il disait à Dieu. Le préservatif de l'infini. Bien dit, merci Sébastien. Christiane Guimont, si demain c'est ta fête, il va falloir que je te chante bonne fête aujourd'hui, parce que sinon, euh, mon ami, je t'aime fort puis je ne pourrais pas te le faire pour demain. Il y a une très bonne vidéo, dit Frédéric Santorelli, sur la chaîne Odyssée à propos des chemtrails. La vidéo est intitulée Chemtrails, la guerre secrète. Thank you, bro. Une petite bonne fête pour Christian donne la chance de chercher ma guitare, encore une fois. <laughs> Puis en français, ben, vous êtes chanceux, il y a deux tunes à chanter. Probablement qu'on l'a aussi en anglais. Hey, il uh, mouille un tabouret d'heure-là. Ça commence à descendre, là. Christiane Guimont, c'est à ton tour. Non, Christiane Guillemont, c'est à ton tour de te laisser. Parler d'amour, ma chère Christiane Guimont, c'est un ton tôt, je l'ai déjà détruit, à te laisser parler d'amour. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête, Christiane Guimont. Bonne fête à toi. Ok, yes sir. Tu veux là, te mon petit monde il y en a un qui m'a commenté l'autre jour, et dit « Bruce, c'est le fun, Vous va écouter toutes les tunes de bonne fête qui fait en anglais et en français, puis il n'y en a pas un qui est pareil. <laughs> » sais de garder ça unique. Éventuellement, on va peut-être être capable de faire un, un slide. La gang, si vous avez un guitare, essayez ça. Je vous le dis, essayez ça. Tabard, ouais, je me fais du fun avec ce mot-là. C'est une drogue. En place d'aller t'acheter de l'alcool puis te saouler la face, en place de... De, 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 de prendre les drogues fortes puis détruire ta vie. Euh, va te chercher un instrument puis essaie de te créer une tonne de guitare. Mon but, c'était ça d'avoir une guitare au début. Je vais être capable, un jour, je vais pouvoir dire que j'ai créé une tonne Là, c'est la journée longue. Je crée des tonnes ici, puis là. Ça ne va pas dire que sont bons, mais j'essaie. Toujours ouais. Tu n'as pas besoin d'être bon à euh, côté musique pour te faire du fun. Ça, c'est sûr, ça fait. C'est 4. « Merci de m'endurer, les amis. <laughs> » ouais, Oui, euh, puis j'apprécie toujours quand le monde me, me le demande, « With Rich euh, ». Merci beaucoup. J'ai été voir, j'ai aussi la vidéo, mon frère, qui est sur la chaîne, euh, ici, euh, si je ne me trompe pas, puis euh, ne l'a pas si longtemps que ça. Merci encore, Eric Dubé. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'étais en ville. Fait que il y a une distance, souvent que je mentionne, hein, With Rich, c'est 0.9 km. Le 0.9 km de distance de moi, c'est où ce que cette tour de 5G? J'ai une tour de 5G, j'ai une station, c'est tout simplement un endroit clôturé, une jonction d'Hydro-Québec qui amène l'électricité, des grosses lignes de tension à l'intérieur des villes. On a ça ici à Grandeur du Québec, partout. Et des hautes lignes de tension aussi dans, dans cet endroit-là. Mais le problème, c'est que ces lumières-là sont en train d'apparaître au-dessus des fils électriques. Puis euh, la distance que je vais vous donner, ça va être euh, vingtaine, cinquantaine de pieds, trentaine de pieds. C'est dur à distinguer, bien honnêtement. Pas, pas proche du sol où ce que je peux. Sauter dessus, mais dans les airs, beaucoup plus bas que les petits avions, mais au-dessus des fils électriques, des fois entre les maisons, dans les arbres en fait d'auteur. Puis j'ai été les voir, puis tout simplement, si tu me demandes par exemple, ben ils viennent de où? Ils viennent-tu du nord, ils viennent-tu du sud, du ouest, du est? Non, ils apparaissent de nulle part en plein centre de l'écran, puis des fois pas invisibles. À mes yeux, l'œil nu, je peux vraiment les voir. Ça a toujours été les ovnis. J'ai toujours été capable de les voir, 99 des ovnis. Mais puis maintenant, les ovnis qui passent, qui s'élèvent du sol comme ça, là, sont complètement invisibles à l'œil nu. Mais, puis, 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 check ça, sont complètement invisibles à l'œil nu, mais pas tout le temps. Il y en a que, que tu peux voir, comme tu en vois un monter. Mais là, est-ce que c'est parce qu'il est trop... Euh, proche de moi, trop près de moi, ou à, à, est-ce que ces objets-là sont loin? C'est quoi la distance de ces objets-là? Ben, c'est simple, je suis direct dessus, c'est 0.9 km. 0.9 km, environ, c'est 2000 quelques pieds. Fait que ça veut dire qu'à 2000 pieds de moi, 1800 pieds, 2000 pieds de distance sur le sol de moi, on lève juste un peu, ces objets-là sont en train d'apparaître de, de nulle part puis, c'est depuis la fin 2022, c'est à chaque soir qu'il fait beau. Et le problème, c'est que des fois, on va 13 jours, 14 jours, 17 jours sans avoir une chance de voir euh, euh, le soir, pas de nuages. Est-ce que j'ai déjà filmé un soir où ce qui faisait clair, puis les ovnis n'étaient pas là? Non. Ces objets-là, mon frère, s'élèvent entre 6h15. Des fois, je, so euh, je suis déjà sorti à 5h45 PM. 17h45 PM pour mes amis français, le soir, aussi de bonne heure que 17h. Puis là, je le cache pas, les satellites qui sont vus souvent, ça va être au moment qu'ils traversent au-dessus de, de l'horizon entre 6, 7, 8 heures, bien sûr, mais les miens continuent entre 6, aller jusqu'à environ 10h30, des fois 11h, même minuit, qui décollent de la surface. Mais à, à 95%, c'est entre 6h30, et 9h20. En 6 et 9h. Eux autres s'élèvent. comme comme ça avait mentionné l'autre jour, mais moi aussi dans le passé, c'est l'heure parfaite à cause de la lumière pour être capable d'être de, de incolito être comme des aspions. Hein. Ça, ça s'élève, on ne les voit pas. En plus, qu'on ne peut pas voir ces, ces lumières-là euh, à l'œil nu. C'est complètement impossible de les voir. Ça prend un, un appareil de photo infrarouge. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous d'où ce qui s'élève Woolrich, excuse, à part du 5G, puis à part du jonction des Taux-Québec, as la chemin de planche. La chemin de planche, ça je ne l'ai jamais mentionné, mais la chemin de planche de planche, c'est un chemin de planche qui était là avec des billoux hein, des logs là, qui ont mis là, des arbres couchés à. Euh, par terre, pour être capable de dans une swamp, là, avoir un trafic ici, tu peux avoir une idée c'est à quoi les chemins ici. En tout cas, longue histoire courte, c'est sur une réserve indienne, archéologique, où ce que des vrais archéologues, euh, des vrais archéologues, ici, probablement de Montréal et ailleurs peut-être même des États-Unis, qui vont creuser là, et sont en train de trouver beaucoup de choses dans la terre. Fait que tu as le IJA et l'endroit dans ma ville de ferme ici où il y a de plus de commerces et de lumière. C'est des grosses commerces, le gros IJA, puis tout ça, magasin de pièces dans le bout, puis c'est toutes des lumières partout, euh, des gros spots de lumière. Puis faut viser dans la maudite lumière pour voir l'avenir euh, arriver. Non, c'est pas parce qu'ils sont provenants des lumières, c'est parce que pense-y. Moi, j'ai une théorie, c'est plus intelligent en fait que si tu as un OVNI, où est-ce que tu vas euh, te lever avec ton OVNI? Tu vas-tu te lever dans un champ de bléding à Armstown ou tu vas rester stationnaire au-dessus d'une ville avec des, des chemins, des, des, des lumières, avec des, des véhicules, des camions de, de livraison qui se promènent à, 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 entre 7 et 8 heures pour se dépêcher et finir leur livraison. Ils se Il se fout bien qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Mais en même temps, ça sert d'un camouflage. Bonjour Kevin. Merci mon frère. Merci Marie-Marie. <coughs> Bonne fête à toutes les personnes en mars. Merci beaucoup Marie-Donne. Moi, c'est le lendemain de ta fête. Fier d'être un bélier. Hey, c'est quand est-ce la fête? À Marie-Donne, es-tu manqué d'autres fêtes, là? <coughs> <'est> bien raide. <coughs> Tiane Robert, merci encore. La réalité, un combat contre le mal. <coughs> Même pour juste la Lune, Mars, <coughs> l'univers. Car nous sommes de la poussière des étoiles, remplis de lumière à jamais. Ok, oui, oh oui, we're stardust. On vient des étoiles, la gang. C'est sûr et certain. Un gros merci, hein, everybody, d'être ici, d'avoir passé. Euh, si vous êtes ici, c'est parce que vous faites euh, toute une contribution à la chaîne pour m'aider à continuer. Puis, écoute, je suis super content. Si on, on voit 90 personnes ici là, tout le long. C'est un peu bizarre parce que c'est ça que je vois. Écoute, peu importe la plateforme que j'arrive dessus, là. Il y a ce maudit tatou-là, 89 là, l'avant de moi, là, qui est toujours là. Peu importe, hein, anglais, français, peu importe. T'as 89 commentaires, 89 abonnés par mois, t'as 89 euh, euh, vu des fois. Là, ça prend du temps à avoir des vues sur les vidéos. Je vous le dis, j'apprécie euh, l'effort que vous faites, euh, la gang. De, de Eric Dubé et de tout le monde. Vraiment, un gros merci de croire dans mes recherches. On est pogné ici. Oui, c'est une bille. On est pris ici sur terre. faut apprendre à «dealer» avec la réalité. Mais le problème, c'est qu'il essaie de changer notre réalité. Ah euh, Oui, c'est une bille, on est pogné ici. Ça, c'est comme les ceux qui me demandent est -ce que «Bruce, est-ce que la Terre est, euh, est plate ou non?» C'est pas grave, on est pris dessus. <laughs> en réalité. Marie-Malie en Abitibi, dans la maison. Merci beaucoup, Laetitia. Régis le connaît, le film... Euh, L'idée, le film euh, 1984. C'est un film en noir et blanc qui, qui montrait le contrôle. Euh, C'est une réalité en réalité, ça, on est rendu là. Hein? Merci beaucoup, Alain So dit Admiral Bird a découvert un portail qu'il ne devait euh, pas trouver euh, avant des euh, bases souterraines nazies et des secoupes. Euh, qui les ont attaqués. Oui, puis le pays, que l'histoire est pas mal, euh, bizarre aussi, parce qu'apparemment, euh, il a rentré à l'intérieur d'une mon montagne, c'était tellement large qu'il a pu rentrer à l'intérieur avec son avion. Écoute, imagine-tu la grandeur la gang qui rentre avec son avion, et il y a quelqu'un qui a pris contrôle du vaisseau, puis l'a emporté, puis l'a euh, fait atterrir. Qui a expliqué pourquoi on se cache à l'intérieur de la Terre, pourquoi si, pourquoi ça. Puis même si ce n'est pas vrai, cette histoire-là, je crois qu'il y a des histoires, mythes ou non, qui ont été créées, euh, mythes ou réels, qui ont été créées euh, délibérément pour qu'on puisse comprendre une petite partie de vérité de ce qui est vraiment caché. C'est un peu bizarre, mais sinon, moi, je crois ça. Bye, Patricia, merci. Hein? Je vais m'occuper de ma piste de trois ans. Hey, super. Je vous aime, tout les Merci encore. Faites attention à vous, oui. Ça doit, Frank. Yes, sir, bro. Il doit y en avoir un, certain. <laughs> oui. Euh, that rings a bell. Quasiment, sûr. Bonne soirée à vous tous, la gang. Je vous aime vraiment fort. Merci de ne me pas laisser tomber, les amis. Absolument, Darla, ça Ce, c'est une autre chose. Si j'avais de l'argent, c'est ça que je ferais. Investir dans des lingots d'argent ou de, de l'or. Pas besoin d'en avoir pour un million. Mais il arrive quelque chose que le grid s'éteint pendant trois semaines, un, un mois. Avec, avec ça, ben, tu peux t'en sortir. Merci, Marie-Mélie. J'ai eu la confirmation, euh, j'étais dit moi, que j'étais protégé, oui. De l'autre côté. Puis protéger, ça ne veut pas nécessairement dire que euh, protéger tout humain, mais protéger contre le mal, oui. Puis on n'ont même pas besoin de lever un, un doigt. Ils mettent en, rentrent en ligne de compte, ils, ils mettent en ligne de compte, ils mettent les, les points sur les i pour les ceux qui gèrent la Terre, puis ça l'a toujours été. Puis il y a toujours eu une communication avec les extraterrestres. Puis il y en a qui disent comment est-ce qu'on peut être en contact avec les, les extraterrestres avec leur langue? Qui dit que ce n'est pas anglais ou français qui parle? Ou grec ou arabe? Ou écoute bien, hein. peut-être le même langage. Hein. C'est une communication, il y a définitivement un langage des deux, certainement. Les amis, je vous sommes vraiment fort je veux Vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de venir voir la chaîne. Les vidéos vont continuer. Je vais justement commencer pour la prochaine vidéo qui va être ici et sur la chaîne Saison. Merci à vous tous. Euh, Remercie s'il vous plaît, Eric Dubé, pour les sœurs euh, qui sont ici, euh, qui ont devenu membres. Là. Euh, il a payé pour vous tous euh, le plein prix pour être capable de vous avoir là. Puis je te remercie vraiment beaucoup mon frère pour ça. S'il vous plaît, si vous voyez Eric Dubé, remerciez-le pour euh, le, le, le free pass d'être euh, un membre. On est dans un grand esclavage mondial, dit Yann. Avec une dictature bancaire, oui, et contrôle les populations. Ouais, On est tous des émetteurs, oui. Euh, avec nos portables sur nous. C'est exactement ça. C'est pour, pour ça que j'en ai pas. Peut-être même toi aussi. Je sais que tu es comme moi, t'aimes bien le. Hein? Vive avec notre euh, notre euh, pain et euh, micro-ondes, poêle. Puis TV, puis ça se limite comme ça. Moi, c'est comme ça que je vais continuer à rester. Tu sais, on a plein de choses à l'entour de nous autres. Les tout magnétiques. Fait que c'est ça, les amis. Merci beaucoup. On s'appelle parle bientôt. Merci pour les commentaires aussi. Je vous aime fort. Bye bye. À la prochaine.